Vous vouliez faire un crash test Shiglam? Les bronzers, vous savez, comme ça. Alors moi, ce que je kiffe, ça va être l'applicateur, c'est trop bien. C'est hyper précis. Et c'est exactement pareil pour les blushs. Et ce qui est cool, c'est que la texture, elle est assez crémeuse. Je trouve dommage qu'ils n'ont pas fait les mêmes embouts pour les highlighters. Si vous devez en prendre un, je vous conseille plus la Pride. Regardez comment il ressort bien. Je vais vous montrer. Oh, wow, pépite. Ils ont créé ça pour les taches de rousseur. Entre guillemets, ça fait comme un eyeliner. T'as juste à venir mettre des petits points. Tu vas venir tapoter avec ton doigt pour donner un effet plus naturel. Ensuite, il y avait eu cette collection-là que j'ai retrouvée. Ça, c'est une palette de fard à paupières que j'ai jamais utilisée. Ça va être l'occasion de tester ensemble. Paupières bombées, je vais tester celui-ci. Bah, honnêtement, c'est vraiment pas mal. J'ai pas mis de base. On va tester le pêche. Il est légèrement un peu plus foncé. Bon, je vois pas forcément la différence. Ah non, en fait, c'est plus clair. Comme j'ai mis du vert, je vais tester celui-ci. Comme ça, ils ont l'air légers. Alors, est-ce que c'est vrai? Non, il ressort bien, regardez. Pas mal. Abonne-toi pour une deuxième partie.